Yoshi Family, c'est Yoshi Kira. Aujourd'hui, je me suis posé une question. Toute bête, c'est est-ce que vous savez différencier un bon chasseur de Pokémon et un mauvais chasseur de Pokémon? De ma part, moi je sais les différencier, ce n'est pas très compliqué. Non, vraiment pas très compliqué. Afin de vous apporter une réponse simple et explicite, je vous ai déniché dans les archives de YouTube une réponse assez simple. Allez, c'est parti. Le mauvais dresseur, qu'on soit d'accord, le mauvais dresseur, et bon, un Pokémon, il fait quoi? Il capture. Il le capture. Direct. À chaque fois qu'il y a droit, il le capture. Il réfléchit même pas. Hein? Direct pour un Pokémon, il le capture. Direct. Alors que le bon dresseur, oui, par contre, oui. Il faut un Pokémon, il le capture. C'est un bon dresseur. C'est un bon dresseur. C'est pas pareil. C'est un bon dresseur. C'est pas pareil. Ouais. Merde, je me suis planté dans l'archive. Bon, ce n'est pas grave. J'ai une autre archive à vous proposer, donc la voici. T'as le mauvais chasseur, ouais. Il voit un truc, il tire. Ouais. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. Bon, ok, bon, rien ne marche comme je veux aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis. Bon, je vais vous montrer un chasseur complètement lambda qui a commencé très 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 mal sa chasse et qui au final a peut-être eu un petit peu de chance. Bon, on verra bien ce qui s'est passé au fil du moment. Et c'est parti, premier appel pour le Plumeline. Et non, personne vient à sa rescousse. Hein. Bon, Billy, tu re-appelles à l'aide, s'il te plaît? Ah. Suffisait que je dise s'il te plaît. Et non. Enfin, c'est mieux, il appelle un peu plus souvent maintenant. Est-ce que cela va durer? Vous le saurez en regardant ce live de Shiny Hunting Plumeline. Si toi aussi tu aimes bien cette chasse-là, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez discuter dans le chat, personne ne se mange entre eux. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Yep, du coup, Griffon, bravo, voilà. Écrase-face. Ok, attaque Griffon, s'il vous plaît. Non. Et c'est à ce moment-là que le youtubeur Yoshikira décida de faire le boulet. Et bon, bah c'est reparti, hein. Ah, mais quel abruti! Mais pourquoi? Pourquoi j'ai décidé d'attaquer? Mais non! Bon, bah c'est reparti. Très bien, il revient. Ouais, c'est Big Mac qui est devant. Ah non, mais là j'ai été con. Ah putain, mais quel boulet, mais c'est pas possible. Ouh. Allez, ou pas appel à l'aide? Non. Ou pas. Mais oui. Eh ben non. Ok, je savais plus depuis quand. Tu en as une, GG à toi. Bah, ça va faire un an. Ça va faire un an que je l'ai, ma capture board. Mais depuis mon let's play sur Soleil et Lune. Tout simplement. Première année de licence d'information et communication. NON! Mais non! Mais non! Allez, c'est reparti. Allez, 19. Allez, on va essayer de monter jusqu'à 30. Jusqu'à qu'on switch le Plumeline. Allez. Il a l'air de revenir assez souvent. J'ai dit qu'il semblait arriver d'aller arriver Zizou. Putain! Bon. Vous l'avez compris, hein, ce mauvais chasseur, ce n'était que moi, quoi. 3 Plumeline tués.
C'est pas bon du tout, ça. Ça, c'est pas vraiment pas bon du tout. Mais vraiment pas. Mais bon, comme on dit, la chance tourne. Et à force de persévérer, ben, on réussit par trouver ce que l'on cherche. Amis de la chasse, bonjour. Aujourd'hui, on va réussir à chasser le Black. Enfin bref, fini le fail, fini les bêtises. Et c'est parti. Donc il commence, voilà, très tranquillement. Il va appeler à l'aide incessamment sous peu. On va mettre la B-Mepo parce que avec une B-Mepo, tout va pour le mieux. Tu n'étais pas encore arrivé. Putain, je suis plus concentré dans ce que je fais. Et j'ai fait un dessin pour... j'ai fait un dessin pour toi, Ikeris. Oh, Spectral, c'est gentil. Oh. Oui. Oui. 65. Oui. Oui, 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 oui. Je l'ai. Je respire. On l'a. Je l'avais dit qu'on allait l'avoir. Maintenant, faut le capturer. Attention, ce qui va suivre va vous surprendre. Il va décider de le tuer. Non, 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 non. Ne prends pas de malheur. Oh, le shiny. Alors, Pookie Boule. Et du coup, on va voir le résultat... dans la Master Ball. On va l'appeler Gashi 2. On va la mettre dans le Chrono Ball. On va voir le résultat du Stropole qui est dans la description. Donc si vous n'avez pas pas encore voté pour votre Plumeline préféré, c'est maintenant que vous le faisiez. Et voilà, Plumeline est attrapé. Donc c'est le Flamenco. Donc c'est dans la description le Stropole. Je vais vous remettre le lien. Et donc le voici, le voilà, le voilou, le joli petit Plumeline. Voilà, je vous l'agrandis, voilà. Il est beau, il est magnifique, il est hors layout, mais... Ah oui, il est beau. Il a la classe à Dallas. Voilà, je vais faire sa rentrée ça, proprement. La capture de la fenêtre 6. Le voici. Ah ben voilà. Voilà ce qui est bien. Ça, c'est une belle capture. Oui, là, j'étais content. Là, j'étais heureux. Là, j'étais au paradis. Mais bon. Une chasse réussite en vaut bien une deuxième. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Psst, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air. En tout cas, si tu veux me suivre sur les autres réseaux sociaux, tu peux regarder dans la description. Ici sont tous.